double gagnant de groupe à Vincennes. Titulaire de plus de 440 000 euros de gains, le sculptural Remember JM, fils de Jack de Belouet, entraîné et élevé par Jean-Marie Monclin, fera la montée au Ras du Lion en 2015. Alors son père, c'est phénoménal ce qu'il a fait, c'est Jacques de Belouet. C'est un cheval de 2 ans qui a couru jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans. C'était le crack de sa génération, quelque part. Il n'a jamais dit non, à aucun moment de sa carrière, il a dit non. On retrouve du Jacques de Belouet par sa tenue, cheval monté, cheval solide, cheval qui a du moteur, qui a un énorme cœur, et la vitesse en même temps. C'est un cheval principalement monté, dans le sens où, que vous savez, quand les chevaux vont monter, les courses qu'il y a à courir monter sont alléchantes, donc il continue sur la course, sur le monté. Près de la ligne droite avec Raffi Renardière, avec Ruby Derpé. À l'extérieur, c'est bien le 12, Ruby Derpé qui attaque Raffi Renardière, Romain Berger, Amour d'accord. Et tous des caillons semblent battus pour les premiers rangs. Aux abords du poteau, Raffi Renardière, pied nu attaqué par Romain Berger. Romain Berger, numéro 7, l'emporte. La ligne basse de Remember JM est marquée par quelques grands noms. Sedouk, le grand-père de mère, et Jaminska, la tante. Udanga aussi, la troisième mère classique, elle-même proche, parente du crack. Jamin, référence historique du trot moderne, vainqueur du prix d'Amérique et aussi des Américains sur leur terrain aux États-Unis. La première génération de Remember, donc c'est l'année DE. Dans la morphologie des poulains que nous avons vus, ils sont corrects. Ils ont une ressemblance un peu penchant sur Jacques de Belouet. On sent bien qu'ils sont un peu typés de la même manière. 2014 a super bien travaillé, le cheval était complet, il a fait ses 100 juments. Donc tout en ayant de super résultats en plus. Très bonne fertilité sur les talons. Remember JM est proposé au Haras du Lion à 1 500 euros poulain vivant pour 2015.